La luzerne cultivée ou luzerne commune, Medicago sativa. Cette plante est originaire de l'ouest de l'Asie, Afghanistan, Turquie. Elle est cultivée et subspontanée sur presque tous les, sur tous les continents, pardon, et régions tempérées jusqu'à 2000 mètres d'altitude environ. Elle préfère cependant les climats de type méditerranéen. On l'appelle également alfalfa. C'est une plante fourragère herbacée de la famille des légumineuses de 30 à 80 cm, glabrescente. Elle est cultivée par l'homme depuis 9000 ans environ, essentiellement comme fourrage pour le bétail et autres animaux d'élevage et pour ses qualités d'amélioration de sol, des sols. Les feuilles ont trois folioles oblongues, pubescentes, plus ou moins dentées au sommet, et sont d'un vert gris. Si les luzernes ont en général de petites fleurs jaunes, Medicago sativa, elle, possède des fleurs de couleur violette, groupées en grappes denses sur un pédoncule, ce qui facilite grandement la différenciation avec les autres luzernes. La floraison débute en mai et dure jusqu'en septembre environ. Les inflorescences sont comestibles et peuvent se manger crues. Les feuilles également sont excellentes crues en salade. On peut trouver de la luzerne à l'état sauvage dans les orées des forêts et bord des chemins. C'est souvent des graines qui se sont envolées lors de la plantation dans les champs. Voilà les amis pour cette plante lié de très près à l'homme. Je vous souhaite de belles promenades à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.